Bonjour docteur, je m'appelle Jean-Camille et je suis venu ici pour avoir des nouvelles de mon ami Lucien qui est enfermé ici depuis un certain nombre d'années. Pouvez-vous me donner son nom, s'il vous plaît? Oui, c'est Lucien Fortgrasse. Très bien, laissez-moi vérifier. Oui, Lucien est toujours hospitalisé ici. Je peux vous donner des informations sur son état de santé, mais il faudra d'abord que je vérifie si vous êtes autorisé à recevoir ces informations. Quel est le lien de parenté que vous avez avec lui? Oui, je comprends très bien, docteur. Je suis un ancien collègue de Lucien. On a travaillé dans le passé ensemble à la BAC et pratiquement je suis la seule famille qui lui reste actuellement. Très bien. Et pouvez-vous me parler un peu plus de votre collègue de la BAC? Comment étaient vos relations avec lui? Je me souviens encore de cette nuit-là. C'était le chaos total dans la ville. Il y avait des flammes partout. On était là avec Lucien pour arrêter un dealer. C'est le bordel ici. Regarde, tout brûle. Allez, on y va. Qu'au gouvernement arrête cette guerre civile. On s'en sortira pas avec toute cette violence. Qu'est-ce qu'il fait ce con au milieu de la route? Where are you going like that? Fuck off, man. J'aime pas tellement qu'on balance des coups de pinceau au capot de ma bagnole. Fuck you. Tu veux faire quoi? Cheat, man. Ouais, Lucien, passe les bracelets à cet enfoiré. Moi, j'ai deux mots à dire à Mick. C'est le spectacle? Chabrak, ça te parle? Chabrak, c'est qui? Je connais pas. Et ta conditionnelle, tu la connais? Ça va. Si je parle, ils vont me buter. Ce sont des vrais malades, ces mecs-là. C'est le plus gros trafiquant de drogue de la ville et il a des connexions dans le milieu politique. Il est intouchable. Ah ouais, intouchable? Ok. Et toi, que sais-tu de lui?
ne peux rien dire, je te l'ai déjà dit. Si Chabrat t'apprend que j'ai parlé, je suis un homme mort. Bien, alors parle-moi de son fournisseur, celui que j'ai buté. Comment s'appelle-t-il? Ouais, je ne sais pas son nom, mais il travaillait pour Chabrat depuis des années. C'était son bras droit. Si tu as tué son fournisseur, tu as touché Chabrat. Intéressant. Alors dis-moi, où se cache-t-il? Putain, tu me mets la pression, mec. Je ne sais pas, mais je sais qu'il va souvent dans le centre-ville fournir sa cam au bourreau. Ok, très bien. Mais souviens-toi, si tu m'as raconté des conneries, ou si tu parles à quelqu'un de notre petite conversation, bah, il donne pas cher de ta conditionnelle. Déconne pas, mec. Je t'ai tout dit. Ah, au fait, change de garde du corps. Paye-lui des cours de boxe. Alors, Chabrak, on fait les magasins? Je t'arrête pour trafic de drogue. Et laisse-moi te dire que tu n'es pas dans une bonne position. Ton fournisseur, celui qui te donnait ta cam, ta saloperie, eh bien, il a été abattu, mais c'est moi qui l'ai fait. Alors, tu vois, tu n'as plus personne pour te protéger. Tu devras peut-être penser à coopérer avec moi et à me donner des informations sur tes complices. Je pense que ça pourrait te sauver la peau. Tu crois pas? Alors, qu'est-ce que tu dis? Je vois que t'es pas très bavard, pas très coopératif. Bah écoute, tu vas nous suivre au poste. Et surtout, gentiment. Je vous sens un peu perturbé à l'évocation de votre passé avec Lucien. Y a-t-il quelque chose qui vous préoccupe? Bien, disons que depuis que Lucien est enfermé, je fais souvent des rêves très étranges sur lui. Ah, tu es là. Dis-moi, on sait très bien ce qui s'est passé cette nuit-là tous les deux.
Je vois. Et comment vous êtes-vous senti après ce rêve? Bizarre, je peux pas vous dire, docteur, mais une chose est sûre, c'est que j'ai toujours l'impression que Lucien est à côté de moi, qu'il n'a jamais été enfermé, et que toute cette histoire n'a pratiquement jamais existé, que c'est un mauvais rêve. Que faisiez-vous avant de rentrer à la BAC? Pourquoi vous me posez cette question? C'est une simple interrogation. Juste pour savoir si vos rêves ne sont pas liés à un passé douloureux. Parfois, certaines blessures restent enfouies dans votre subconscient. Ouais, j'étais dans les forces spéciales. Jean, si vous me disiez ce qui s'est véritablement passé ce jour-là. Vous voulez vraiment le savoir? Chérie, que fais-tu encore dans le salon? Pourquoi ne viens-tu pas te coucher? Enfin, tu es là. Je te trouve préoccupé ces derniers temps. Tu as des problèmes à ton travail?
Isabelle, je sais que tu es une liaison avec Lucien. J'ai vu comment vous vous regardez tous les deux. Qu'est-ce qui te prend, Jean? Pourquoi tu me parles de cette façon? Je ne connais pas ce Lucien. Ne me mens pas, Isabelle, je suis un flic. Je sais comment lire les gens et je sais quand on me ment. Je sais que vous avez quelque chose de spécial, quelque chose que tu n'as jamais eu avec moi. Mais écoute-toi, tu es en train de dire n'importe quoi. Lucien n'existe pas, je te jure. Je sens bien que tu es bizarre ces derniers temps. Je t'aime, mais là, tu es en train de m'effrayer. Tu prends bien ton traitement? Je t'en supplie, Jean, calme-toi. Je ne te trompe pas, je ne te mentirai jamais. Je suis ta femme, ton soutien, ta compagne de vie. Je ne veux que ton bonheur, mais là, je ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu me fais peur. Je vais t'accompagner chez le médecin demain, d'accord? On va s'en sortir ensemble. Je t'aime, Jean, ne l'oublie jamais. Pardonne-moi. On se retrouvera un jour tous les deux, sans lui. Jean, vous avez créé une réalité alternative dans votre esprit pour éviter de faire face à la réalité. C'est vous qui êtes enfermé ici depuis de nombreuses années pour avoir tiré sur votre femme. Je comprends que ce soit difficile à accepter, mais c'est important que vous preniez conscience de votre état de santé pour pouvoir avancer. La schizophrénie est une maladie complexe et souvent dévastatrice, mais elle peut être gérée avec le bon traitement et le bon soutien. Quoi? Mais c'est impossible, comment pouvez-vous me dire une chose pareille? Mais j'ai parlé avec lui, travaillé avec lui, c'est impossible qu'il n'ait jamais existé. Non, je ne peux pas y croire, vous vous trompez, docteur, vous devez me laisser partir. Je crains fort que cela ne soit possible. Mais nous sommes là pour vous aider. C'est bon, j'en ai assez attendu, je me casse. Je sais très bien ce que vous faites avec Lucien. Vous bourrez de médicaments pour en faire un légume. Mais ça ne sera pas pareil avec moi. Calmez-vous, Jean. Rasseyez-vous. Sinon, vous allez faire quoi? Monsieur Camille, bonjour, je me présente, je suis le docteur Gaspard. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, monsieur Camille? Qu'est-ce que je fous ici? Dites-moi, au cours de la nuit hier soir, avez-vous vu Lucien? C'est qui, Jean? C'est qui, Lucien? Bon, très bien alors. Cela veut dire que le traitement commence à faire effet. Qu'est-ce que vous m'avez fait? J'ai du mal à parler. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Nous avons été obligés de monter vos doses suite à l'entretien que vous avez eu avec mon confrère, le docteur Monsieur Legracien. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une personne qui voudrait vous voir, Monsieur Camille. Bonjour Jean. Je voulais juste te dire que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Isabelle, c'est toi?